Aucune. Impossible de sortir une vidéo, une photo. Impossible. On a été clean du début à la fin. Les gars, on vient avec une bonne image. On veut vous représenter comme il faut, que ce soit moi ou les joueurs. Rien du tout. Du coup, ce qui s'est passé, il y a mon cousin qui fait partie du staff, qui bosse avec moi depuis le début, qui lui aussi a voulu faire du trash talk en faisant un geste, vous savez, de gamin de l'école. Même les Brésiliens, des fois, ils font ça quand ils marquent, les Vinicius, les Neymar, en tirant la langue en mode nananère. La streameuse de l'équipe adverse, que bon, est partie un peu en cacahuète en disant en live, il nous fait des gestes obscènes, il nous fait des gestes sexuels. Les gars, mon cousin, c'est le mec le plus coincé que je connaisse. C'est le mec le plus coincé que je connaisse. Il était uniquement en mode tirage de la langue, nananère, etc. Les joueurs, ils lui ont rentré dedans, ils l'ont poussé. Il a même pas riposté. Il continuait de leur tirer la langue alors qu'il se faisait pousser par les joueurs. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on se mange une sanction. Pourquoi? Moi, je vais vous le dire, hein, je vous parle sans truc. Moi, je pense que c'est un peu, je dirais pas politique, mais c'est pour dire, on peut pas ne pas leur mettre quelque chose alors qu'on a absolument rien fait. Ils ont aucune vidéo, aucune photo, rien. Je leur ai dit, sortez-moi un seul truc qu'on a fait de mal. Ils ont rien, rien du tout. Je leur ai demandé, je l'ai appelé le staff, j'ai appelé Gérard, j'ai appelé tout le monde. Ils ont